Bonjour à tous, j'ai oublié d'activer mon micro en ce début de tournage, donc je vous ai mis le début de cet épisode en accéléré. Il s'agit de la quête où je cherche le rapport des Mogu et la découverte du camp Rajani. L'épisode reprend normalement avec une cinématique à environ 2 minutes 20. Désolé et bon épisode. Comme vous l'avez vu, les Mantides lancent une nouvelle invasion. Je ne les pensais pas assez enhardis pour attaquer les caveaux Mogushan. Il est bien trop tôt pour que ce soit un nouveau cycle. L'avènement de la nouvelle impératrice doit les aiguillonner. En attendant, nos éclaireurs rapportent qu'au nord se rassemble une armée Mogu comme on n'en avait plus vu depuis Lei Shen. Le Lotus Doré est occupé, et les Mogu doivent y voir l'occasion rêvée de s'emparer du Val et asservir ses habitants. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que même si le Val est débarrassé de la corruption des chats, il y flotte une malveillance palpable. Le Grand Gardien parle d'une menace que personne ne pourra arrêter. Et je n'arrive pas à dissiper son malaise. Peut-être y parviendrez-vous mieux que moi. Je suis désolé, je viens de me rendre compte que mon micro était mute. Aucun espoir. La calamité qui approche va tout balayer. J'espère que. Les efforts ne peuvent que retarder l'inévitable. J'ai beau faire, je n'arrive pas à le faire réagir. Mon micro était mute depuis, je sais pas depuis combien de temps. J'espère que c'est pas depuis un quart d'heure. Enfin, 20 minutes maintenant. J'espère que vous avez entendu un petit peu, mais voilà. Bon, de toute façon, voilà, en 20 minutes, il s'est pas passé énormément de choses. Je suis vraiment désolé si c'est le cas. Je mettrai un petit truc en commentaire. Enfin, en sous-titre. Mais voilà, hein, vous avez vu, en gros, j'ai récupéré le. J'ai mis un quart d'heure à récupérer le. Comment? Le rapport, j'ai trouvé les Rajani, et puis voilà quoi, on est là. Ok, donc il faut que je parle à ce mec. Pourquoi vous adressez-vous à moi? Vous m'avez redonné espoir, et en échange, je vais vous offrir mon aide. Prévenez-moi quand vous voudrez vous rendre dans la chambre du cœur. J'ai besoin du moteur de Nalaksha
pour prémunir Azeroth. Le temps presse. J'écoute. Pour prémunir Azeroth de la corruption de Enzoth. Je sais pas du tout qui est ce mec. J'ai entendu des rumeurs, je sais quelle force maléfique plane sur nous. Je crains que les ténèbres qui approchent soient trop redoutables, même pour vous. Du temps de l'Empire Noir, il a fallu... L'espoir Eh ben, on saura pas. est fugace. Juste quand on a besoin d'aide avec la Forge des Origines, on trouve le gardien qui l'avait installé. C'est pas une coïncidence. Vous continuez. Je vais voir si je peux le convaincre. Juste parce que j'en ai marre de... Oh, purée, encore une zone à la con. Alors, puisque le grand gardien est convaincu que nous n'avons aucune chance face à nos ennemis, une petite démonstration de force le fera peut-être changer d'avis. Ne me demandez pas comment, mais si vous parvenez à lui apporter la preuve que votre victoire face à ceux qui menacent le Val, il se laissera peut-être convaincre qu'il faut agir. Observez, obtenez un trophée du conquérant sur le commandant d'un assaut du Val Éternel Printemps. Oh, encore une quête à la con dans le genre, putain! Encore un rare loot, mais non, mais ça va être que ça dans le... Dans cet endroit, purée. C'est chiant, ça. C'est encore un drop random. Casse les burnes. Oula. Mais attendez, c'est peut-être pas ça en fait. Ah, d'accord. Bon. Et bon, on va attendre qui repop. Et bon, je sais pas combien de points de vie là, mais on est trois joueurs sur ça. Putain, c'est pas vrai. Le Val est Reviens. à nous! Ouais, parce que 2 millions de points de vie quand même, hein. Bon, ça va, c'est pas... C'était pas aussi chiant que je le pensais. Surtout que je me suis fait aider.
avez mon attention. Faites ce que vous pourrez. Alors, toutes les installations des Titans en Pandarie sont reliées entre elles? Fascinant! Ça sert à rien de rester à se tourner les pouces pendant la fin du monde. Au palais Mogushan, vite! Bah attends, c'est quoi cette réflexion? Toutes les installations de Titans en Pandarie sont reliées entre elles. Mais oui, bien sûr, ça fait partie du lore. Et c'est seulement maintenant qu'il découvre ça, lui? Ah, parce que c'est un peu compliqué. Mais en fait, les Titans, ce sont les gardiens. Alors, les gardiens du monde. Parce qu'en fait, le Azeroth, à la base, devait servir de monde. Comment dire? Comment dire? D'un monde particulier où en fait les anciens dieux devaient renaître. Et en attente en fait de leur mort et renaissance en Azeroth, le monde a été confié aux titans et aux dragons. La garde du monde a été confiée aux titans et aux dragons. C'était ça le lore. De World of Warcraft avant que. Voilà, puis enfin, c'est le lore de World of Warcraft. Et ça, c'était bien avant que la Légion se mette à vouloir s'emparer d'Azeroth. Justement aussi pour détruire les anciens dieux. Vu que Sargeras est un ancien dieu. Voilà. En fait, c'est surtout Sargeras qui voulait tuer ses frères, quoi. Ses frères et sœurs. C'était ça aussi l'histoire. Enfin, voilà, ça fait partie du truc. Et donc, oui, évidemment, les installations titans sont reliées entre elles. Parce que les titans étaient censés protéger le monde d'Azeroth avec les dragons. C'était le principe. Enfin, bref. Emprunter le. Alors. Juste, je vais lire la quête que j'ai prise rapidement parce que je l'ai pas lue. Ce ne serait pas la première fois qu'un individu de votre espèce bascule mes certitudes. Je vais donc vous donner une chance de recommencer le contexte titanesque qui abrite le moteur de Nalaksha, couvre l'ensemble de la Pandarie et les caveaux Mogushan ne sont pas le seul passage permettant d'y aller. Il existe de nombreuses entrées, mais la plus proche se trouve dans l'enceinte du palais. Mushan, dont les salles souterraines sont reliées au caveau. C'est là-bas que vous avez rendez-vous avec votre destin champion. Donc, empruntez le passage secret du palais Mugushan et réactivez le moteur de Nalaksha. Eh ben, ok. Et donc par contre, qui est Enzok, je n'en ai aucune idée. Hein. Je ne sais pas. Est-ce que c'était un ancien serviteur de Sargeras? Est-ce que. Je regarde un truc là, mais. Non. C'était une illusion. J'ai l'impression que l'œil au milieu a bougé, c'est pour ça. Mais non, c'est juste une icône. Bon. Ça risque d'être dehors.
C'est en dessous? Bah, D'après visiblement, oui. Raden, le passage secret doit être dans les étages inférieurs. Trouvons comment descendre. Oh, bon sang, les statues prennent vie! C'est un détail, c'est un détail. Je dois d'abord choisir une cible. Il me faut une cible. Je m'ai positionné mes doigts. On dirait que tuer les gardiens a ouvert le passage. Allons-y. Attention, vous mettez les pieds. Les mogus ont tendance à poser des pièges pour les intrus imprudents. Oh non! Oh non, ma sœur de la tentation! Mais bon. Le levier doit ouvrir le passage, mais ces dalles ne m'inspirent rien de bon. Ah. C'est trop beau, mais il y a moyen. Easy. Un escalier secret. Où ça? Ah d'accord, ah oui. Non, ce donjon me parle, mais ça fait super longtemps. On dirait
qu'il mène au niveau inférieur. Trouvons le passage. Bah. Je suis hors de portée. Oh. Leur position n'était pas correcte. Putain, mais je les ai vus en plus. Je n'ai pas de cible. Je ne vois rien pour ouvrir la porte. Il doit y avoir un mécanisme quelque part. Fouillons un peu. Oui, la statue. Vous avez l'esprit acéré. Ah. C'est aussi simple que ça. Ça a marché. Maintenant, voyons où mène le passage. Non, attendez, je veux juste voir s'il y a quelque chose là-bas. Prévoir une torche. Ah, d'accord, ok. Ça fait bien longtemps que j'avais pas marché autant. Oh, je crois qu'on y est. Par la barbe d'Azeroth, mais qu'est-ce qui se passe ici? Des intrus sont entrés dans les caveaux. Ne laissez aucun survivant. Je dois m'approcher. J'aggro tout le monde, hein, je... Je vais tout faire en une fois. Le profond. J'aurais dû deviner que les mantides se rallieraient à N'Zoth. Ils essayent de corrompre les caveaux. Les laissons pas faire.
Prends-toi un coup d'une telèche. Bon, on est à 65%. Le truc, c'est les trois au milieu, je peux pas les détruire visiblement. Ils sont pas sélectionnables. Je vais monter à l'étage. Je dois d'abord choisir une cible. Ok. J'ai le nez fin, j'ai le nez fin. C'est pas drôle. Ah bon, c'est bon, ça s'est résolvé. Percevez-vous la frénésie de l'essaim? Il sent ce qui s'annonce. Il sait que vous porterez ce message. Oui, vous êtes toujours là? Je commence à m'inquiéter pour vous. Pour l'instant, il faut se concentrer sur le moteur. Allez! L'impératrice nous fera exécuter si le rituel est interrompu. Arrêtez-les, à tout prix! Je regarde même pas les loot, mais ouais, non, ça. J'ai rien qui drop. J'ai rien qui drop pendant cette. Personne ne peut résister au profond. Merde. Vous arrivez trop tard. Putain, il doute rien non plus, lui. Tapez-lui
C'est drôle, on dirait le puits du soleil de Keltanas, mais en... Enfin, on aurait dit le puits du soleil de Keltanas, mais en violet, quoi. Et voilà! Cette console devrait vous permettre de nous connecter à la chambre du cœur. Connexion établie, en attente de relance du circuit. Une petite minute! Ce n'est pas comme si j'avais le mode d'emploi! Aïe! Ça pique! Attendez! Ça y est, j'ai compris! Je connecte le circuit! Qu'est-ce que... Oh, intéressant! Je me l'archive pour plus tard! Dame, tout est en place! Bien reçu. Redirection de l'alimentation en cours. On a réussi, ça y est! La forge reçoit l'énergie du moteur de Nalaksha. Et dans les archives, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait nous aider à terrasser N'Zoth. Venez, on retourne voir le grand gardien. Tu peux pas me TP, moi aussi. D'accord, donc il y a un TP ici. Bien. D'accord. Oui, laissez parler votre rage. Frappez-moi. Ressentez votre rage. Ouais. Qui est intrigant, orateur. Si les Mogu ont appris à concentrer l'énergie de la forge. Ouais, ça signifie qu'on peut utiliser la forge contre N'Zoth sans avoir à réoriginer le monde entier. Il faudrait que je le voie de mes yeux. Parlez, créature mortelle. L'espoir est fugace. Ok, bon, ça va être simple. Votre persévérance redonne de l'espoir quant à l'avenir de ce monde. Regagnons votre fameuse chambre du cœur. En tant que gardien de la forge des origines, je pense pouvoir vous aider à la remettre en état. Prévenez-moi quand vous serez prêt et je vous y conduirai. En tant que gardien, ça a été un gardien lui. Donc c'est un titan lui. C'est un titan ce mec. C'est cohérent, hein, mais ok. Pourquoi vous adressez-vous à moi?
Je n'avais pas vu la forge des origines depuis bien longtemps. Par l'orage, je laisse les Rajani pour défendre le moteur. À vos ordres, grand gardien. Je nous emmène à la chambre du cœur. Attention, cela pourrait picoter. Quelle superbe installation. Elle porte la patte d'Arcaedas. J'ignorais son existence. Étrange. Existence de la chambre secrète. Niveau de sécurité Sigma. La proximité de la monde impose des mesures supplémentaires. On n'aurait jamais découvert ça si Azeroth ne nous avait pas montré le chemin. J'ai eu un freeze, hein. Mais je ne l'ai pas. Ah non, c'est ça que ça a amélioré. D'accord, ok. Voilà. Alors ça, je l'ai eu. Je crois que c'était le truc... tac, 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 tac. Ah non, c'était le truc en Oldham. C'est quoi ça? Vous brûlez votre cible avec un éclair. J'aime pas quand ça fait ça, parce que parfois on peut, comment, on peut se retrouver avec la monture qui ne sait plus voler et on s'écrase au sol. J'ai mes 56 néants qui sont en train de partir.
Rien de spécialement inhabituel par ici. C'est lui. Eh oh. Je parle pour Azeroth. Protégeons notre monde. Ouais, j'aurais plutôt dû écrire sorry. Je sais pas si. Je sais pas pourquoi. Il est aggro, mon marcheur. Quoi qu'il se passe, il vient sûrement du fin fond de la chambre inférieure. Où on trouvera peut-être une réponse en atteignant la forge. À votre place, je vérifierai mon barda avant d'y aller. MDG de Normand. Allez savoir ce qui nous attend là-bas. Pour Azeroth. Attention, le plafond s'écroule. Pas cool ça. L'entrée est bloquée, on est pris au piège. Dame, tirez-nous de là. Erreur. Aucune destination disponible pour extraction. Alors lancez la téléportation vers moi. Vite, je l'attends dehors. Unité orateur localisée. Téléportation en cours. Ça n'est pas passé loin. Allons-y. Bazerite, ce qui lui inflige 59 000 de dégâts, tout va bien. De feu, si la cible est à moins de 20% de points de vie, le temps de recharge est réduit de 30 secondes. Pouvoir secondaire. Donc attendez. Donc ça c'est un pouvoir instantané. Vos sorts et techniques ont une chance d'infliger 24 000 points de dégâts de feu à votre cible. Résistance à la corruption augmentée de 10. Ah, alors on va parler de la corruption justement. Oui, on va mettre ça là. Parce que j'ai ce truc là. J'ai ce truc là que j'ai eu après en fait après la quête qu'on avait fait en Oldham. Mais ça a plus 15 de corruption. Et je ne sais pas quel effet ça peut avoir sur mon personnage ça. C'est un petit peu mieux. Et encore c'est pas ouf. C'est un petit peu mieux que ce que j'ai actuellement sur moi ça. Je perds un peu en score critique et en corruption, mais je gagne en gros 10. Je gagne à peu près 100 points de vie quoi. Ça, hein. Non, je dois gagner 1000 points de vie, un truc comme ça. Avec ça, j'ai gagné un cas quoi. C'est pas ouf non plus, hein, mais je sais pas si ça vaut le coup de le mettre à cause de la corruption. Notre monde a besoin de nous. Pour Azeroth. Alors, comme si ça suffisait pas de récupérer la forge et de la retaper, je crois bien que les archives des caveaux Mushan nous ont aussi fourni la clé qui nous permettra de régler définitivement son compte à Enzoth. Tenez-vous bien, champion, vous allez pas en croire vos oreilles. Cinématique à nouveau ? Les pierres ont une histoire à raconter. Cinématique à mon avis. Protégeons notre monde. Dame, comment concentrer l'énergie de la forge contre Enzoth ?
La démarche recherchée est une exécution précise du protocole Origine, possible via télétriangulation. Le déploiement des ancrages nécessaires au ciblage nécessite une proximité suffisante de la source de corruption. En d'autres termes, il faut placer les ancrages au plus près de N'Zoth. Et pour ça, il faut entrer au cœur de l'Empire Noir. Poser le pied dans ce lieu maudit suffirait à précipiter n'importe qui dans la folie. Il y a toujours un moyen d'y arriver. Occupez-vous de la forge et laissez-moi me charger de Nyalotha. Je sais pas ce que vous nous manigancez, mais d'accord, on s'occupe de la redémarrer. Je parle pour Azeroth. On progresse légèrement quand l'alimentation des systèmes auxiliaires sera rétablie. Dame pourra exécuter les diagnostics. Reste plus qu'à mettre les dernières pièces en place. Rétablissez l'alimentation des systèmes auxiliaires de la chambre, du cœur, du moteur de Nashasha et de la forge des origines. Puis parlez à Dame pour activer la forge des origines. N'oubliez pas votre devoir envers Azeroth. Ok. Redirection de l'énergie du moteur de Nalaksha vers les systèmes inactifs. Il y a trop de joueurs là, je vois rien. Vous sollicitez une expérimentation ? Retour de la forge des origines à son fonctionnement optimal. Alerte, anomalie non identifiée détectée. Une anomalie ? Comment ça ? Azeroth pleure de douleur. Si Ramkaen a pas donné l'alerte, c'est que l'anomalie doit être confinée dans la salle des origines. On ferait mieux d'y retourner, Fissa, pour voir ça de plus près, des jeux normands. Ok, donc rejoignez Mani Barbe de Bronze à l'extérieur de la salle des origines en Uldum. On se remet au boulot. Tout ça ne sent pas bon. Retrouvez-moi en Uldum. Ok. Cette anomalie, voyez si vous arrivez à en découvrir l'origine. Quoi ça? Irion. Pourquoi j'ai Irion qui est en jaune? Y a-t-il un sujet qui vous tracasse? Ah. Je dois défendre l'héritage de mon père. Tout acte a ses conséquences. Accès à la base de données des salutations. Bienvenue. Protocole de séparation activé. Niveau de contamination acceptable. Matrice de prise de congé introuvable. Et alors j'ai ça dans mon manuel, c'est ça ?
Un truc généraliste à mon avis. Ça c'est pour mon familier. C'est pas une... Et donc quoi, je... Le truc est plus corrompu? Si, ça l'est toujours. Bon. Allez, on va continuer sur le dôme. J'avais pas bien compris. J'avais un autre truc hein, qui parlait de corruption dans mon inventaire. Je sais pas si je me suis arrêté dessus. Ah oui, il faut que j'y aille par mes moyens. On va changer un peu de monture. Et ben on est parti. Je vais le suivre plutôt. Côté du sable. Ça doit être ça l'anomalie. Attendez. Vous chantez? Il y a quelque chose qui va pas. Prudence! Ça me repousse. Qu'est-ce que c'est? Non, ça a déjà commencé. Vous devez résister à l'influence de N'Zoth. Ne cédez pas à la folie. Je n'ai pas de fou. Votre cœur. Votre offrande. Ce que je dois faire. Dame, pouvez-vous les ramener à la chambre? Lancement du protocole d'évacuation. Ça, c'était N'Zoth. J'avais jamais rien vu de tel. C'est une de ces visions de l'avenir devenue réalité. Un écho de l'Empire Noir. Je vous avais bien dit de me laisser me charger de Nyalotta. Il n'y a probablement pas de raison d'attendre plus. C'est le prince noir qui se tient devant vous. Apprenez du passé, regardez vers l'avenir. Je vais retrouver mon agent devant le mont Roche Noire. Rejoignez-nous là-bas.
Vache, le mont Roche Noire, dis donc, tu nous remontes bien en arrière, en arrière là. Oh, c'est dans un donjon. Bon, alors, tac, 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 protéger son esprit contre les dieux très anciens implique de recourir à un objet de pure corruption. Peu de gens le savent, mais l'objet en question existe bel et bien. Il sommeille dans les abîmes incandescents de la descente de l'aile noire. Récemment encore, l'un de mes agents surveillait le secteur et documentait méticuleusement toute activité suspecte, mais voilà qu'il ne donne plus signe de vie. Manifestement, nous ne sommes pas les seuls à suivre cette piste. Il n'y a qu'un seul endroit où nous trouvons les réponses à nos questions. Notre périple continue, me dis-je normand. Roche Noire nous attend. Récupérer l'écaille de dragon noir corrompu de la descente d'Aile Noire au sommet du mont Roche Noire dans les steppes ardentes. Là, c'est pas à côté. Oh! Ah, ça c'est sympa. Ça c'est sympa. Attendez, il y a un truc que j'ai pas vu. Ouais, j'aurais dû cliquer dessus là. Ouais, il n'y a pas de corruption dessus. Et ça, attendez, ça a quelle gueule ça? C'est pas dégueulasse en plus. C'est pas dégueulasse en plus.